Vous pourriez peut-être venir voir si je ne suis pas mort. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je suis quand même plus importante qu'une aile de voiture. Mais vous, vous n'avez rien et elle, elle est toute aplatie. Vous n'avez qu'à vous acheter une voiture plus solide. Non, la deux chevaux n'a rien. C'est la Rolls qui est aplatie. Vous devriez vous acheter une voiture plus solide. C'est malin. D'abord, elle n'est pas à moi, si vous voulez le savoir. Ah bon? Et la vôtre, ça va? Elle est solide? Je ne peux pas trop m'avancer, mais on pourra l'essayer contre la vôtre, si vous voulez. Enfin. Heureusement, il ne pleut pas. Pardon? Eh oui, parce que s'il pleuvait, je serais vraiment trempé à rester là sous la pluie, à bavarder avec vous. Écartez-vous, je suis pressée. Ça frotte, c'est pour ça. Hein? L'aile écrasée, ça frotte sur le pneu. Enfin, ça ne frotte plus maintenant. Ça frottait. Bon, attendez-moi, je prends mon sac. Oui, ça fuit. C'est de la pluie. C'est bon pour le teint. Soyez pas grossier. Vous avez un chiffon? Quelle tuile, quelle journée! Vous jouez du violon? Oui, madame, du gros violon. Où ça? À l'ORTF, madame. Enfin, vous prenez la rue à droite là-bas. Madame va bien m'excuser, mais moi je vais tout droit. Qu'est-ce qui vous prend de me parler comme un valet de chambre? Il me semblait que ça devait vous plaire. Écoutez, je suis très pressée, je divorce tout à l'heure. Amenez-moi ma voiture au bout de la rue à droite. Ça vous ennuie? Oui, moi aussi, je suis pressée.